Coucou tout le monde, on est reparti sur The Universim. Notre civilisation se porte très bien, on produit de l'électricité, on produit du pétrole, on extrait du gaz, enfin vraiment, tout est génial. J'ai juste un petit peu de problème avec la criminalité, donc on va devoir trouver un moyen de la baisser, peut-être en faisant quelques parcs pour calmer les gens. Donc si vous vous rappelez bien, j'ai ici deux mines pour extraire le gaz, donc les deux là, parce qu'on était... Alors je vais mettre pause, hop, vu qu'on était un petit peu juste en réserve, là je suis à 4 de gaz, ouh, j'ai pas l'impression que ça va suffire, on continue à... Je vais voir si je vais en mettre une troisième. Alors je n'ai pour le moment que un gars qui travaille à l'usine de gaz pour utiliser peu de pétrole. Mais bon, on va voir comment ça va tourner. Alors vous m'avez bien dit dans les commentaires en bas à droite là, je vois la quantité d'électricité produite. Donc on en produit 305 avec un gars dans l'usine. On en utilise 30 et on a 20 000 d'électricité stockée dans nos batteries. Donc on a que deux batteries, donc ça fait 10 000 d'électricité par batterie apparemment. Ici, ah, je peux améliorer les quais de pêche. Alors je vais pas améliorer celui-là vu que là c'est complètement vide. À savoir que je peux faire pleuvoir ici pour remplir à nouveau le lac, si partiellement le lac si je veux, mais on change d'endroit, on va maintenant se mettre à celui-ci. Donc j'ai, ah bah tiens, j'ai déjà deux pompes à eau qui arrivent, et là je viens de faire la recherche des rouages ronds qui me permet d'augmenter de 15 la production des pompes. Donc je vais voir, je suis peut-être même en positif maintenant. Ici, ah, la vis d'Archimède, 10 minutes, qui peut augmenter encore plus la production. Ça peut être pas mal. Alors, je vais essayer de monter là-haut. Ici, nous avons l'amélioration des archives, ça ne m'intéresse pas. On a fait tout ce qu'il y a là. Les coursiers, bah tiens, on va les faire. Eux, transport de ressources d'endroit en endroit, va être très pratique. Donc là, je regarde, on est effectivement en positif. Alors, une... Non, non, aucune n'est terminée, mais on est effectivement en positif juste avec l'amélioration, enfin, la recherche que je viens de faire, ce qui est juste génial. Ouh! C'est moi ou celui-là est particulièrement grand? Génial. Et alors, vous vous rappelez peut-être, on a deux autres civilisations. Alors, je sais pas ce qui leur arrive. Celle-ci devrait bien se développer. Vous pouvez les voir. Vous êtes combien maintenant? Vous êtes 43. Ils sont... Hein, ils nous aiment bien. Et alors, on a toujours l'autre. Alors, j'ai normalement détruit plus ou moins complètement. Oula, petite frise. Ah, ils commencent à reconstruire. Et vous êtes combien? Vous êtes 9. Bon, bah, je vous ai attaqué. On peut voir qu'il y a encore des arbres complètement... voilà, il y a du charbon à côté. Ça vous fera des nouvelles ressources. Mais les gars ont l'air d'avoir survécu. Et je suppose qu'ils doivent pas m'aimer. Ouais, ils sont un petit peu mécontents avec nous. Mais bon, comme ça. Du coup, ici, j'ai dit que j'allais m'occuper. Hop, juste, tac, voilà. De... Ici, alors toi, il faut quoi? Vous, pour le débloquer, vous devez terminer la quête cœur brisé. Ah! Cœur brisé, c'est... il faut que je... transforme un... Enfin, je brise un couple. Voilà, que je mette un gars, que je fasse tomber un gars amoureux de quelqu'un d'autre. Je vais peut-être pas le faire maintenant, parce que là, les gars, ils m'aiment pas trop suite à mes attaques précédentes. Alors, je sais plus où... Ouh là, il fait sombre. Là, il fait vraiment sombre. Oui, c'est là. Vous pouvez voir, je suis assez bas. Ouh, ça, même ça a baissé. J'ai rien fait, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous mettre un petit sort qui va vous remonter le moral. Peut-être ça va vous donner. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ok. Voilà. Est-ce que ça m'a reboosté un petit peu? J'ai pas trop l'impression. Par contre, là, beaucoup de gens ont eu le buff. Hein. Bon, alors, on va mettre... Donc le nouveau parc, quelque chose qui va bientôt bien baisser la criminalité. Voilà, celui-ci. Et alors, je n'en ai pas là-haut, là où il y a toutes les usines. Donc je me dis, peut-être entre deux jobs, vous pouvez venir vous reposer dans le parc. Voilà. Le parc de Cupidon. Et ben là, plus qu'à attendre un petit peu. Alors, ils sont en train de finir mon petit parc de Cupidon pendant qu'une tempête approche, donc dépêchez-vous. Là, on en est à peu près à la moitié de la recherche des coursiers, elle est bien longue. Mais une fois qu'ils ont fini là, bah tiens, je vais même le dire tout de suite. On va, alors je vais pas le dire à ceux-là, j'ai des nouvelles cabanes de pêcheurs. Et je peux normalement les faire monter le level. Et j'ai tout... Ah, ils ont... C'est en cours, ah d'accord, celle-ci est en cours, je l'avais lancée, mais tiens... Et là, nous avons une mort. Ouh, il a même gelé. Il a même gelé sur le lac. Très bien. Donc là, on attend le dernier de fer. Et alors, Westropolis, c'est nouveau, ça nous... Westropolis, ça me dit rien du tout. Alors, je voudrais juste voir mon parc. Alors, le parc est là. Et effectivement, la criminalité est maintenant très faible. Ce qui est génial. Donc, les raffineries, même le restaurant augmente la criminalité. Les mines de gaz, chevalet de pompage. Et la mairie augmente la criminalité, sérieusement? La mairie augmente de 3 points. Alors, donc là, nous avons...
Très bien. Alors, c'est qui est dans des ressources et combien en demandez-vous? Ah, Westropolis, ils ont changé de nom? Non, on va regarder où êtes-vous. Ce serait pas eux, hein. Eux, c'est Med, Vel, alors ça serait les gars d'ici. Westropolis. Alors, mes gars ont l'air de refuser. Je suis désolé. Moi, vous n'allez pas en avoir. Vous n'allez pas avoir vos ressources. Donc, je vais mettre quelques CB. Allez, voilà. Comme ça, j'espère que ça va virer le petit message. J'ai pas envie qu'il reste pendant 8 minutes. Et alors, on est où? À la maison. Là, j'ai perdu des gars. Là, on était à 130. J'ai perdu des gars. Est-ce que c'est la tempête? La tempête devrait pas être vraiment dangereuse quand même, hein. Donc, je vois pas pourquoi des gars mourraient. Mais on a 13 enfants qui arrivent. Ouh, alors, tiens. Ça va être le moment. Voilà, de nettoyer les maladies. Ah ouais, vous voyez, ça a bien un effet. Donc j'aurais dit, bon là c'est trop tard, hein, la tempête est là. La tempête est là, mais je dois effectivement, même pour ces petites tempêtes, leur dire de rentrer. C'est quoi ça? Ah non, ça je pensais que c'était... Choose. Waouh. Finalement, j'ai peut-être perdu quoi, 4 ou 8 gars? Entre, je dirais ça, j'en ai déjà eu 4. Il y en a probablement d'autres. Voilà, je veux pas de maladie. Les maladies, ça va être terrible pour moi. Rien ici. Voilà, donc je suis revenu à 34. Mais alors ça doit être des bonnes actions. Les gars devraient m'aimer un petit peu plus. On va regarder. Ah, loulou, ça serait là. Je suis un peu remonté, mais on est toujours en génération lente. Hein, c'est vraiment... Je suis pas fan de leur système, franchement, mais bon, pour ça. C'est original au moins, mais bon. Alors oui, je regardais. Ah, toi, on est en train de t'améliorer. Parfait. Et ah oui, la recherche est terminée. Donc alors, c'était la recherche pour les coursiers. Donc j'ai un nouveau bâtiment. Ça, c'est prochainement pour le stockage organisé. En haut, pavillon de chasse. Il faut monter un peu pour bien le lire. Ouais, on va pas le faire tout de suite. Travail en équipe. 8 minutes. 15 minutes. On va faire toi. Et on va se rapprocher petit à petit de là-bas. Ou application de la loi. Commissariat de police pour le crime, ça serait pas mal, effectivement. Et là, on va devoir, on va plutôt aller là et on va voir la science de l'ordre. Donc, prison débloquée ou centre de réhabilitation. Et là, je pense qu'on va arriver au dernier bloc de recherche qui va être bah, quelque chose de plus récent. Et là, les recherches, par contre, sont un petit peu longues. Et... Ah oui, c'est vrai que j'ai quand même le boost de plus 15%, ce qui est génial. Bon, alors là, bah, ils vont le finir. On va le regarder se construire. Et ça a l'air effectivement un peu plus moderne que ce que l'on a là. Alors, est-ce qu'il y a plus d'emplacements pour la pêche? Qu'est-ce que tu me donneras? On va voir. Donc là, je peux même pas passer l'hiver au passage. Hein. Ah oui, alors vraiment utile. Hein, je regardais jamais là, mais vraiment utile. On peut voir à quelle vitesse l'eau descend dans nos réserves. On est à 350 000 d'eau. Et franchement, ça descend pas si vite. Hein. Je suis assez content. Alors. Ah. Parfait. Et je vois que deux bateaux. Je vais quand même. Non, on va pas le nettoyer, pas grave. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Ah, tu utilises de l'électricité, ce que l'autre n'utilise pas. Est-ce que ça veut dire que tu vas... On va mettre deux autres. Que tu vas éviscérer les poissons plus rapidement. Je sais pas trop. Ici qu'avant nous... Ah, alors une tour de guet que l'on peut améliorer. Ouais, quand du métal. J'ai combien de métal? J'en ai pas beaucoup. Il me faut plus de fer. Alors pourquoi je n'ai pas autant de fer? Pourquoi j'ai si peu de fer? Si je regarde là. Donc toi... Mine de gaz. Les deux là, c'est des mines de gaz. Toi, mine de fer. Pas assez. Ben, on va faire une deuxième mine de fer et on va probablement le payer. Alors, c'est vrai qu'on a également un appareil de transportation à faire. Une des coursiers. Ben, tiens, on va te mettre au milieu. Ici. Et toi, tu... Ouh! Oh, j'ai eu peur que je pensais que c'était 20 de fer. Là, j'aurais eu peur. Ça va être bon. Et alors, une autre mine de fer. Notre civilisation a besoin de plus que ce que l'on produit. Et ouais, criminalité plus, tout le bordel plus. Ah, je vais te mettre là.
Et alors la question, est-ce que tu es dans la zone de protection de la tourelle? T'es juste à l'extérieur. Bon, c'est pas trop gênant, on se fait pas trop attaquer. Ce qui m'intéresse plus, c'est est-ce que t'es dans la zone de réparation? Les ingénieurs sont là. Oui, tu es dedans. Parfait, regardez. Oh, regardez. Regardez la couverture du monde. Oula, non, non. Ah. Je suis en QWERTY, donc. Voilà. Je veux juste bouger, te mettre. Voilà. Regardez, on couvre tout ça. Cette partie du monde nous appartient. Et elle est à personne d'autre. Bon, 2 minutes 30 pour les gars là-haut. Mais là, ce que je veux faire, c'est attendre un petit peu que l'hiver passe, peut-être. Ou alors je vais le passer moi-même si j'ai les points. Ah oui, on a une nouvelle recherche à faire. C'est déjà fini? Application de la loi? D'accord. Donc, commissariat de police, ça a été rapide. Allez, on va faire. Allez, on va tenter de... Ouais, on va tenter de les réhabiliter. Voilà. Bon. Bon. Faut que je vois maintenant qu'est-ce que ça va donner avec ma nouvelle mine de fer. Alors, la hutte de transport se termine et on peut voir, alors regardons quelle va être. Ils vont refuser, donc je suppose que eux vont pas être contents. On va pas voir l'effet tout de suite, normalement. Normalement, on va avoir un retour un peu plus tard. Donc, on ferme la page et là, nous allons avoir les transporteurs qui vont se finir. Très joli bâtiment. Voilà. Avec la petite caisse posée bizarrement. Vous avez pas peur qu'elle vous tombe dessus, les gars? Et on va mettre... Hop. Hop. Parfait. Alors, je suppose que vous allez transporter les ressources de bâtiment en bâtiment. Mais juste deux gars, ça m'étonne, hein, si peu. Ça m'étonne vraiment. Là où il me manque... Bah, ils n'ont pas encore démarré. Et je vais aller voir à l'autre bout. Là où il y a mes pêcheurs... J'en ai lancé deux. Là, ils sont enneigés et là, ils sont pas enneigés. Hop, hiver. Hop, presque hiver. Bon. Ah, science de la paix. Déjà terminé. Super content. Du coup, je vais avoir un autre bâtiment. Et enseignement supérieur. Débloque l'université. Génial. Et alors, on a un autre bâtiment à faire. Mais moi, j'aimerais voir lesquels j'ai lancé en amélioration. Il me semblait en avoir mis plus. Ah, j'ai peut-être amélioré au mauvais endroit. Non, non, j'ai amélioré au bon. Ah oui, là, j'ai eu peur. Celui-là est encore en train de réunir le fer. C'est au bon endroit, il y a bien 1 496 000 poissons. Bon, alors, nouvelle recherche. La recherche est terminée? Ah, ça prenait 10 secondes. Oh, j'étais tellement inquiet par ça. Alors, nous avons l'ingénierie qui va me débloquer la hutte d'ingénieur médiéval. Écologie, prochainement. Chimie. Une pompe d'eau moderne. 10 secondes, bon, on va faire toi. Puis on va lancer... toi, combien? 10 minutes. Poudre à canon. Ah, prochainement, donc ça ne sert à rien de faire la recherche. Ministère de l'Agriculture, débloque. Ah, un nouveau type de choses. Allez, on va faire toi. Ça, je vais pouvoir les améliorer. Et on a un commissariat à poser. Donc, ah, ça... non, oups, là, mauvais bouton. Chimie déjà finie. Il y a, je doute hein, que ça va rester comme ça pour certaines choses, certaines recherches. 10 secondes, ça me paraît un peu court quand même. Ah, je sais pas où te poser, toi, ici. Même si je te pose là, tu vas détruire les maisons. Peut-être là, dans la zone la plus dangereuse. Je sais pas s'il y a une importance à la zone. Il n'y a pas l'air d'avoir de rayon, donc on va te mettre là. Donc 5 de fer, par contre. Alors oui, regardons nos ressources. Là. Ah, je remonte en gaz. Parfait. En fer, on utilise tout ce que l'on produit. Donc, bah oui, ils n'ont pas fini celle-ci. Prioriser la mine de fer. Qu'est-ce que vous faites là? Le problème, c'est qu'il y a des maisons à améliorer, donc je comprends que les gars hésitent un peu. Alors, normalement... Est-ce que c'était... Ouais. Donc on va en améliorer une, à moins que ça utilise du fer. Ben on va attendre un petit peu. Et là, j'ai déjà pompé 9%. Ah, d'accord, je pensais pas que ça serait partirait si vite. Donc on va en mettre une moderne, un peu après, mais on est quand même...
Oui, on est quand même largement positif là côté haut. Je vais peut-être faire pleuvoir ici, plus tard, ou faire pleuvoir là-bas pour remplir. Là, il y a beaucoup d'eau, mais j'ai peur de vider ce lac et de plus avoir de poissons. Et finalement, l'eau peut être une ressource qui va devenir rare assez rapidement. Hein. Elle se renouvelle très lentement. Ah, regardez ce qui vient de finir de construire le commissariat. Alors j'étais à 3 étoiles suite à la construction d'une troisième mine de fer. Et apparemment le commissariat a vraiment baissé tout ça sans avoir d'employés dedans. Donc je vous mets dedans, là on va pouvoir voir les gens qui ont été arrêtés, ce qui me fait marrer. Et alors j'ai fait quelques petites choses, donc je vous ai dit j'ai bien rajouté. Où le freeze? Ok, donc Jumbo se fait arrêter, donc tu es où? Regardez-le, oh là là, ça me fait penser à Prison Architect. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il y va. Alors je sais pas si c'est une bonne idée de les arrêter, je pense que ça va les rendre malheureux. On va voir, normalement je peux également les arrêter moi-même apparemment. Mais bon, on va laisser les flics faire le nécessaire. De ce que j'ai lu, il y a une chance que le flic se trompe. Donc voilà. Et donc là on a une arrivée ici. Bon, alors Bichia, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ici je n'avais pas de puits pour l'eau, pour que les gars... Oh, voilà, un petit mort. Pour que les gars puissent se nourrir, boire, s'hydrater. Donc là j'ai fait positionner 3 puits. Sacré petit bruit d'un coup. Une troisième mine de fer, ce qui devrait, voilà, on commence enfin à être en positif. J'ai également mis un autre endroit pour transporter les ressources ici, parce que bah, y en a un à l'autre bout, hein, des coursiers, je vais en ramener là. Et alors, normalement, maintenant, j'ai de quoi améliorer, ou alors l'hôpital a été amélioré automatiquement. Non, il va être amélioré par la dernière recherche, voilà. Donc, on va le faire, boum. Donc, j'ai fait la biologie en recherche, qui est... où est-ce que tu étais ? Qui était là, parce que j'avais besoin de la biologie pour faire en recherche les progrès médicaux, si je veux continuer vers là-bas. Mais je suis pas encore sûr, amélioration de l'hôpital médiéval. Écologie, ça n'a rien à me donner de spécial. Par contre, ça va débloquer le réservoir médiéval plus tard, et il me manque l'écologie. Bah tiens, on va le faire maintenant. En ingénierie, donc on a la hutte d'ingénieur médiéval. Alors oui, au passage, je l'ai lancé au milieu, si je ne me trompe pas. Que je te trouve. Voilà, je l'ai lancé. Ça serait toi. Faut que je le trouve. Ah non, je l'avais pas lancé, parce que oui, j'avais pas le fer. Bah maintenant, on va le lancer. Et... l'écologie est déjà faite, ben, tu te lances sur l'hydrologie, 6 minutes, les recherches vont vite, hein. Les recherches vont vite, donc avec ça d'améliorer, je le mets là, parce que oui, on est au cœur, là où il y a le plus de bâtiments, et alors j'ai été impressionné, regardez-moi la baraque là, on l'a vu tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous en parler, incroyable, alors il y a, ok, toutes les familles sont dedans, donc je suis vraiment, ah bah tiens, est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Donc on voit juste un appartement. D'accord. Alors on m'a demandé dans les commentaires, essaye de regarder quand les gens font... quand la hutte remue, essaye de regarder à l'intérieur. Donc on va essayer de trouver effectivement... Oula. Une qui remue. Oui, il y a beaucoup de... Il y a de plus en plus de frises. Hein. Ça devient... Oui, regardez. Là, ça a zoomé super haut. C'est un problème technique. Hein. Je suis à 60 FPS, donc c'est pas l'ordinateur qui a du mal. C'est, je pense, le moteur du jeu qui arrive à son bout. Alors là, on utilise maintenant 48 d'énergie, donc ça monte petit à petit. Et je pourrais peut-être passer donc ça au level supérieur également, parce que je veux voir à quoi ça ressemble. Ah, alors Mamofest est blessé, ben, c'est le moment de venir tout soigner. Comme ça, je vais... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oui, ok, comme ça, je vais gagner un petit peu... Voilà, mal cliqué, voilà. C'est incroyant. Construction terminée. Mais ils me disent pas lesquels. Bah c'est pas mal. Attends, je peux pas encore t'améliorer. Et là, ça se passe vraiment d'enfer, pour être franc. J'ai pas de problème de famine. On est à 353 nourritures. Donc plus le temps passe, plus je gagne de la nourriture malgré les nouvelles arrivées. Il me faudrait peut-être juste qu'ils fassent un peu plus de gamins. Sinon, ouais, et là les pêcheurs travaillent super. J'ai plein de main d'œuvre libre, donc je préfère ce que je veux. Et regardez-moi, oh là là, regardez-moi ça, c'est incroyable quand même.
Ouais, ça fait pas village avec genre 15 000 fois le même bâtiment. Même les bâtiments de les maisons d'une case ne sont pas toutes identiques, vous voyez. Là, on a le toit comme ça en forme de pyramide. Là, on a ça en forme de V. Ah, celle-ci, par contre, est identique. Celle-ci a un mix des deux. C'est juste génial, j'adore. La maison Tudor. Alors, on a une maison qui vient d'être finie. Laquelle? Là-bas? D'accord. Bon, celle-ci, elle n'est pas spéciale. Alors, l'hydrologie est terminée. Alors, j'ai débloqué le ministère de l'ingénierie et je peux pas les construire, ces bâtiments. Donc, je... Ça débloque le ministère de l'ingénierie. Mais oui, mais où? Ensuite, ministère de l'eau. Purification de l'eau. Production de la pompe augmentée. Caserne de pompiers. Oh, je... Alors, on n'a pas vraiment eu d'incendie, mais ça peut être marrant de le faire. Et c'est de toute façon apparemment nécessaire pour se rapprocher de l'ère moderne. Il y a beaucoup de morts. Hein. Je pense que là, on doit avoir une... Ouais, ça va, ça disparaît. Je pense qu'on doit être à un moment où une génération de, la... de gens d'un baby-boom doit mourir, parce que j'en ai pas mal partout. Alors que... Ok. Alors que je n'ai pas vraiment de catastrophe, d'animaux qui attaquent ou autre. L'automne est là, d'accord. Alors, juste au moment où ils détruisent mon ancienne hutte d'ingénieur pour en faire une nouvelle, regardez ce qui se passe là. Ah là, il y a du crac-crac-boum-boum. Hop, on va venir en normal. Et, ah, ils ont fini. Ah, ils ont fini. Non, ils ont pas fini. Je peux pas rentrer à l'intérieur. Vous m'avez demandé de vous montrer ce qui se passait. Vous étiez peut-être curieux. Je vous comprends. Mais désolé, les gars, on peut pas rentrer dedans. Alors, ici. Vous avez mis toutes les ressources nécessaires. Et donc, normalement, il ne reste plus qu'à venir travailler. Et il y a tellement de bâtiments que je peux améliorer. C'est incroyable. On peut améliorer le puits. On va t'améliorer. Je vais faire le tour des puits. Et on va tous les lancer. J'ai les ressources nécessaires. Côté gaz, hein, il va peut-être falloir, mais là j'ai beaucoup de fer, alors je pense que je vais devoir mettre une autre pour le... Quoique, on est plein en puits. Mes puits sont complètement partout. Pourquoi les gens ne viennent pas boire, ou alors j'ai trop de puits? J'ai peut-être trop de puits. On va en mettre un amélioré à toutes les grandes zones, hein. Donc une ici, un là et un là-bas, et on va voir pour le reste. Très bien. Et là, je suis à encore 6 minutes de la caserne des pompiers. Et les gens sont heureux. Tout se passe très bien, pas de problème. Et oula, on se marier. Là, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai 19 enfants. Alors, j'ai une école. Et je sais pas si l'école va suffire. Alors là, le problème que j'ai avec le jeu, c'est qu'il est très dur de retrouver les bâtiments que vous avez posés. Je suis incapable de vous dire où est l'école. Il y en a une quelque part là-dedans, mais... voilà, c'est ça. Alors, ah oui, là, t'as fini ? Ah, la hutte d'ingénieur, c'est ça? Voilà, ils sont en train de la finir. Bon, on va regarder ensemble. Montre-moi. Et là, on arrive au bout. J'ai également eu un trophée gourmand, mais je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est dû à la quantité de nourriture que j'en stocke? Je ne sais pas. Alors, c'est fini. Et je peux mettre effectivement un troisième gars pour aider. Parce que j'ai beaucoup de bâtiments. Alors je pourrais peut-être faire la même chose. Genre là, il devrait y en avoir. Oula. Ici, c'est un endroit important. On va l'améliorer. 5 de... Ouh, toi, je vais te soigner. Boum. Croyez en moi. 50 qui croient en moi. Bon, ça fait un tiers de la population. Et... Attention aux morts. Hein. Là, on a beaucoup d'enfants qui deviennent adultes et malgré tout, on se maintient 156. Donc là, on a pas mal de morts. J'espère que les enfants vont faire à leur tour beaucoup de bébés. Donc dès qu'ils vont être âgés. Par contre, alors le fait de les soigner tout le monde m'a remis à un bon niveau. Alors, ça, c'est génial. Alors, recherche terminée. Théorie du phlogistique. Phlogistique. Pourquoi pas? Alors, c'était la case là. Ce qui me débloque, la caserne de pompiers que l'on va mettre. Alors toi, il me manque les progrès médicaux. Et ça me donne rien du tout. Est-ce que je pourrais... Ah, les progrès médicaux là. 6 minutes, bon, on va se lancer. Il faut faire les deux comme ça. Et là, tu me débloques un emplacement supérieur supplémentaire de travailleurs peut-être pour la caserne de pompiers. Alors.
C'est un bâtiment qui est une zone. Donc là, les incendies, si je l'ai là, les incendies devraient pas tarder, je suppose. Et alors là, le problème, c'est que... On va te mettre là. Je peux te glisser. Qu'est-ce qui se passe là? Des maisons qui se construisent. J'ai trouvé une maison. Pas catastrophe non plus. Elle est petite. Ouais, désolé les gars, vous allez devoir bouger. Et on va mettre. Bon, continue, hein. Je suppose que tu préfères qu'on la détruise qu'elle brûle. Je sais pas. Et ici. Par contre, ça me demandait au moins 25 de fer. Ouh, Kezamba, tu as fait quelque chose de pas bien. On a 3 de fer, donc ouais, là, ça prend pas mal de temps. Le temps de miner tout ça. Pas beaucoup de gens en prison. Tour de guet, je sais même pas s'il y a une raison vraiment de les améliorer maintenant, vu que ben, j'ai pas été attaqué par des animaux sauvages depuis très longtemps. Bah tiens, alors on va en profiter juste pour jeter un coup d'œil à nos voisins. Fait quelques temps. Je ne les ai pas vus, ils sont vraiment en retard hein, technologiquement par rapport à nous. Mais nous, on n'a pas vraiment d'armée. Ils sont 63 maintenant et nous avons... Là. 21. Vraiment, ils nous détestent. Ils nous détestent. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'ils continuent de temps en temps à nous faire des demandes pour leur donner de la... Au lieu d'être gentils, ils sont agressifs et on est genre... Quoi, on est 8 fois leur taille. Les gars, ils continuent. Alors, ah, le Mafesbo, il y a quelqu'un qui est mort ou qui a été élu, j'ai pas fait gaffe. J'ai juste vu la pop-up. Alors, regardons. Ah, on n'a pas de chef. Prochaine élection dans 12 minutes et 30 secondes. D'accord. Ah, regardez un puits au level supérieur comparé... Au précédent, vous voyez qui est là, il a l'air effectivement beaucoup plus classe. Alors, j'ai fait quelques recherches, donc l'acoustique qui m'a pris 0 seconde, j'ai fait l'architecture qui m'a pris 10 secondes, c'était instantané. Et là, je suis en train de me lancer, vous voyez, vers la fin. Donc l'industrialisation, l'usine de verre et les chimies modernes. Sachant que l'industrialisation ne va rien débloquer pour le moment. Là-haut, je m'attends... Ouh, ça débloque quand même quelque chose, des ballons d'air chaud. Et là, nous avons les usines de métal. Mais ça sera le tout pour un prochain épisode. J'aimerais juste voir est-ce que nous avons peut-être caserne de pompiers. Non, les casernes de pompiers vont également être finies, je pense, dans le prochain épisode. On va quand même faire le petit tour. Ouais, ce qui pose problème là, c'est la quantité de fer. Côté gaz, on est bon. Ouais, malgré mes 3 usines, mes 3 mines, pardon, de fer, on a du mal. Alors, le problème, c'est que je peux en mettre plus, mais est-ce que je suis. Je sais pas trop si je suis loin de perdre le niveau de bonheur très haut. Mais au vu de la quantité de métal que l'on a besoin, je vais bien faire une autre mine, tant pis. Puis après, je ferai un autre, quelque chose d'autre. Alors, on peut te poser là. Voilà. Et on va te mettre en priorisé. Vu que tu n'as pas besoin de métal pour être construit, sinon ce serait un peu problématique. Et alors j'ai 8108 de fer en tout. Je vais voir est-ce que... Non, les réserves... Ah oui, les réserves dépendent de l'endroit où on les pose. Donc le mettre là n'est peut-être pas judicieux. On va t'annuler. Parce que si je le mets là, je risque de ne pas avoir beaucoup de fer. Donc je vais devoir reconstruire... Ah, toi. On va le soigner. Voilà. Et du coup, mine de fer. Mine de fer, ici, là, ça serait génial si je pouvais la glisser dedans. Non, peut-être là alors. Voilà, qu'avons-nous là? Ah oui, bon, toi, t'as pas besoin pour le moment d'être amélioré. C'est une hutte d'ingénieur, mais là-bas, il n'y a pas énormément de choses. Mais, batterie fonctionne parfaitement. Et là, nous avons l'hôpital. Mais on va l'améliorer. Également, parce que ça n'utilise pas de fer. Et on peut voir que bah, y a des petits gars qui sont en attente. Donc je vais vous donner un petit coup de main pour le vider. J'ai normalement 3 hôpitaux de construits. Ici. Alors il n'y a pas d'eau. Et je vais vous montrer. Alors vous m'avez demandé est-ce que l'eau se régénère dans le jeu. Ça se régénère lorsqu'il pleut. Alors hop. Ouais, je vais faire la pluie là.
Et là, vous pouvez voir. L'eau revient où ? Ça revient. Il y en a pas mal qui revient. Je m'attendais pas autant. On va atteindre quoi ? 5%, je sais pas trop. Alors, apparemment, la quantité d'eau qui. Enfin, le placement de la, de la pluie va dépendre également du remplissage. Waouh ! Mais on va attendre, on va voir au bout. Alors, bien entendu, il y en a une partie qui va être pompée, donc voilà. Mais, ouais, bon, on a... Oula, oula, qu'est-ce que là ? Et on aura de l'eau pendant quelques temps à nouveau là-bas. A savoir qu'également, la température d'une région va dépendre également... Ouh, ingénieur. Va dépendre également du nombre d'arbres qu'il y a autour. Pareil pour l'été et pour l'hiver. Donc, je peux faire en sorte qu'il fasse moins chaud dans une zone si je mets plus d'arbres. Donc, on va tester. C'est ce que l'écran de chargement a dit. Il fait 39 degrés. Donc, je ne sais pas si ça va être instantané, mais on va tester. Hop. Donc, si je fais ça. Je ne sais pas si c'est sur la planète complète ou... 39 degrés, je pense que c'est peut-être sur le biome ou la planète complète, mais ou bien ça met un petit peu de temps. Okay. J'ai remis des arbres là-bas. En attendant, là-haut, est-ce que tu m'as fait... Non, les bonhommes ramènent les ressources. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, d'accord, d'abord vous nettoyez la zone. Il y a... Ah ouais, il y a genre 3000 de cailloux à côté là, problème, petit problème. Ouais, et il va falloir peut-être, je pense, que je reboise un endroit où il y a mes scieries, ou alors je vais mettre une autre scierie là, parce que je vois que je suis un petit peu en retard là. Mais bon, donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le suivant, on va atteindre le bout du contenu, donc dans le cinquième, on aura normalement les bâtiments modernes. Donc merci à vous d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt, bye bye.